Groupie Production Television Network, main en main avec Télémasters, invite au Vinci Tagadé chaque samedi 8h du soir et chaque lundi 7h du soir, l'émission Caméra Culturelle. Caméra Culturelle pour tes informations sur Atisio et tout ce qui a passé dans la culture haïtienne. Ou abjoigne tout panorama social avec Cody Love, DP Haïti pour l'actualité sociale. Dans Caméra Culturelle avec Carmel, bonjour information sur la santé avec Lorraine, dans Causé Santé. Et pas oublier, ambiance qui flash et performance Diazio avec Atisio. Caméra Culturelle, viens joindre nous chaque samedi 8h du soir, chaque lundi 7h du soir sur Télémasters, Channel 18.8 et en système Roku. Pour faire publicité business ou dans Caméra Culturelle, relais 786 661 2909 ou bien 954 729 2214. Caméra Culturelle avec Carmel, le meilleur rendez-vous avec la culture haïtienne. Amis téléspectateurs, nous contents, nous saluons, nous disons bienvenue dans une nouvelle émission Caméra Culturelle avec Carmel et Oussou Télémasters. Nous contents avec vous tous les samedis pour nous présenter l'émission ça. Sans nous pas perdre du temps, nous allons entrer dans le segment et puis qui ça nous porte pour aujourd'hui et jeudi. Dans le segment Nouvelle Culturelle, nous avons un jeune Louis Bernard qui remportait le prix Henri Deschamps 2022. Eh bien, prix ça, c'est un prix pour moun kap écrit belle phrase, belle lettre, moun kap écrit bien. Eh bien, Louis Bernard, roupi, y en pile détail sous monsieur ça. Et puis, dans le panorama social, côté que collaboratrice nous, Cody Love, li pral parle nous de célébration de la journée mondiale de la santé qui était faite en Haïti, li y en plus détail pour nous-mêmes. Dans cause santé lui-même, collaboratrice nous, Lorraine, qui sont experts de la santé, devise Lorraine, c'est pour aider nous pour nous vivre plus bien avec santé nous. Eh bien, je ne jodi à l'hypothé un pile bel message pour mesdames yo, qui j'en pour nous veiller quoi nous mes amis avec cancer matrice, qui ont cancer qui pas bay chance, cancer utérus, li pas bay chance du tout, la li tombe dans utérus nous, faut nous veiller en haut, barre en bas. Et puis, dans l'ambiance, nous gagnons New Bass, une jeune formation musicale qui a évolué dans South Florida, qui pourra le faire nous bien danser et n'a tout fait connaissance avec Benna. Eh bien, amis téléspectateurs, sans nous perdre du temps, n'a pas pause, n'a pas tourné. Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout propriétaire business doit faire pour vendre produits et services qu'on offre. Qui tient un business qui fait que l'ouvrir, qui tient un business qui l'a depuis 10 d'antan, ou doit faire publicité, zami pam. Promoteur qui a organisé bal, soirée de gala, ou bien qu'importe qui événement public, promotion garantie sous Télémasters dans émission Caméra Culturelle. Pour faire publicité au passé, relais Jodia, 954 729 2214 ou bien 786 661 2909. Prix abordable, full package avec interview promotionnelle et commerciale. Messieurs, dames, faites publicité pour business ou kamacha. Télémasters a annoncé l'ouverture prochaine de un magasin dans Miami Gardens, Basla, Transfer et Barbershop. Nous avons tout produit naturel qui est bon pour nous capables vivre en bonne santé. A bien transfert l'argent sous pays d'Haïti. Également, a bien vente de films africains et haïtiens. Pour de plus amples informations, prière de visiter le magasin au 824 Northwest 183e Street dans Miami Gardens. Téléphone 305 974 44 43. Nous comptons toujours avec nous et nous rappelons au Soulte Masters, émission ça passe tous les samedis. Ou même qui remè sa kap fête là, ou ta remè nous toujours continuer pour tes émissions ça, ba ou la kayou, n'importe qui nous ap gade nous. Rele nous, nous sommes trop contents de passer business ou en émission ça pour aider nous exister. N'a pas apprécié ça. Eh bien, amis téléspectateurs, n'abdou, bienvenue dans le segment Nouvelle Culturelle nous. Côté nous, un jeune haïtien qui rele Louis Bernard. Qui remporté prix Henri Deschamps 2022. Nan écrit nan belle lettre.
dans belle bagaille et bien ou pi gen plus détails pour nous on suivi ensemble. C'est vendredi 8 avril qui s'est passé là dans l'hôtel El Rancho dans le pays d'Haïti que célébration 46e édition de la Fondation Lucienne Deschamps est rivé déroulé dans une cérémonie haute portée qui était déroulée en présence plusieurs personnalités qui très imbues dans le domaine de la culture dans le pays d'Haïti. C'est dans soirée ça qui a été remettre le prix Deschamps 2022 et c'est un jeune auteur haïtien originaire des Cayes qui portait dans Louis Bernard Henry. C'est lui-même qui recevoit le prix Deschamps 2022. Lit un livre que lui écrit, qui sont romans, qui portait nom La petite fille bleue, qui est arrivé primé. Il a signalé que Louis Bernard Henry est âgé de 24 ans. C'est un étudiant finissant en sciences politiques et en sciences juridiques à l'Université d'État d'Haïti. Il y a Peter Fish, qui est le directeur général de la Fondation Lucienne Deschamps. C'est lui-même qui te prend la parole pour être capable de rappeler que le prix Deschamps est accompagné d'un chèque de 175 000 gourdes ainsi que 1000 exemplaires d'un roman. Quand on lit La petite fille bleue, on ressent la beauté des mots et la force des idées. C'est ça que déclarait Evelyne Trouillot qui t'a présidé le jury. Puis devant les palais pour dire que le jury t'es travaillé en pile. C'est ton travail de lecture et de relecture et de discussion. Anessa, l'IPAT est vraiment un trop travail parce que immédiatement que tu lis le roman de Louis Bernard Henry, pas de difficulté, puis ouais que c'est lui-même qui était champion. La langue est belle, les personnages choisis ont une trajectoire complexe et attachante, la force des idées et les problèmes soulevés dans ce livre, ils ont été faits avec élégance et beauté. La littérature en ressort enrichie. C'est ça que conclut Paul dit Evelyne Trouillot, qui était présidé le jury, qui finalement choisit le roman La petite fille bleue, qui a été écrit par Louis Bernard Henry, originaire des Cayes, qui a été décerné cette année le prix Deschamps 2022. Toutes nos félicitations à ce jeune citoyen haïtien. Ici Jude de Ronceret, Nopam Seroupi, pour Happy TV Network. Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout propriétaire business doit faire pour vendre produits et services qu'on offre. Qui tient un business qui fait l'ouvrir, qui tient un business qui l'a depuis 10 d'antan, ou doit faire publicité, zami pam. Promoteur qui a organisé bal, soirée de gala, ou bien qu'importe qui événement public, promotion garantie sous Telemasters dans émission Caméra Culturelle. Pour faire publicité au passé, relais Jodia, 954-729-2214 ou bien 786-661-2909. Prix abordable, full package avec interview promotionnelle et commerciale. Messieurs, dames, fait publicité pour business ou kamacha. Telemasters a annoncé l'ouverture prochaine d'un magasin dans Miami Gardens, Basla, Transfert et Barbershop. N'a besoin de tout produit naturel qui est bon pour nous capables de vivre en bonne santé. A bien transfert l'argent sous pays d'Haïti. Également, a gagné vente de films africains et haïtiens. Pour de plus amples informations, prière de visiter le magasin au 824 Northwest 183e Street dans Miami Gardens, téléphone 305 974 44 43. Bienvenue dans le panorama social, amis téléspectateurs, collaboratrices nous Cody Love. Je ne jeudi après parler nous d'une journée mondiale de la santé 2022 qui était organisée en Haïti. Eh bien, on suit Cody Love pour plus de détails. On suit ensemble. Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet nous aujourd'hui à Haïti célèbre la Journée mondiale de la santé 2022. Comme chaque année à travers le monde, la journée date anniversaire de fondation Organisation mondiale de la santé en 1948, c'est une opportunité pour tourner projecteur vers un domaine préoccupation prioritaire face à la pandémie actuelle, une planète polluée avec une incidence croissante en pile maladie. Thème qui choisit pour 2022 à notre planète, notre santé.
Gouvernement haïtien, sous direction promotion la santé à protection environnement, ministère santé publique à population, s'est organisé mercredi 7 avril 2022 dans l'hôtel Montana une cérémonie pour célébration journée mondiale de la santé. Présent à l'événement, Premier ministre Dr. Ariel Henry a rappelé en plus catastrophe naturelle, Haïti a confronté à l'épidémie pollution dans l'environnement. Autrement dit, dans une extrême vulnérabilité, avant d'y ajouter, santé concitoyens dépend en pile sous santé planète noire. En effet, pollution atmosphérique, l'eau qui contaminée, insuffisant assainissement, y compris gestion en pile déchets solides, en pile risque lié à certaines productions chimiques dangereuses, a en pile effet négatif dans le changement climatique, c'est en pile menace environnement qui plus présenté pour santé publique en Haïti, à la région. Dans le discours de circonstances, le ministre de la Santé publique, la à population, Dr. Alex Lassen, se connaît, les lanceurs ont vibrant appel à force vive nation dans un esprit de responsabilité, dans autodétermination. En nous tous ensemble, conjuguer effort nous, en nous tous gourmets, sans prendre souffle, pour une Haïti verte respectueuse de l'environnement, dans l'idée pour diminuer en pile risque maladie. Docteur Birmingham, représentant en OMS, OPS en Haïti, insistait pour dire que la crise climatique actuelle là, c'est une crise sanitaire. Il soulignait que chaque année, dans la région américaine, il estimait que 1 million de décès prématurés attribués à un pile risque environnemental évitable. Docteur Birmingham fait connaître tout, événement ça, c'est une occasion pour faire un new hommage bien mérité à Dr. Paul Farmer, fondateur organisation Amis la Santé, qui mourit dans le début de l'année 2022. Il s'est continué sans relâche et sans crainte dans exprimer indignation morale face à son pile inégalité et iniquité en matière de santé, non seulement par parole liyo, mais tout dans l'action liyo. Qui moun Paul Farmer teye et qui s'agit à régler en Haïti? Paul Farmer est fait 26 octobre 1959 Nord Adams dans Massachusetts. C'était un docteur en médecine spécialisé dans maladies infectieuses et anthropologue médical américain. Il était professeur d'anthropologie de la santé dans le département de médecine sociale dans l'université Harvard. Il mourut le 21 février 2022 à 63 ans dans Kigali, Rwanda, un pays qui en Afrique de l'Est. Docteur Paul Farmer fait partie de monde qui pas hésité à aller n'importe côté les gain épidémie mortelle qui déclarait dans pays qui en voie de développement tant qu'au Haïti. C'est en Haïti docteur Farmer a rencontré madame Lee, qui s'est dit Bertrand Farmer, yo te gain trois petites, yon humaniste qui gain yon grand cœur courageux et volontaire. Docteur Paul Farmer te vine au fil du temps yon infatigable défenseur pour haïtien yo, notamment dans la bataille pour avoir accès à soins de santé. Engagement docteur en faveur Haïti remontait à très loin. En 1987, il fondait Partenaires en Santé, un organisme bienfaisant qui allait dans un pile zone rurale dans le pays pour aider les gens qui n'avaient pas accès à soins. À force de fréquenter la population locale, là, il était toujours rete bon côté yo, docteur Farmer te fini par apprendre créole. C'est avec une grande tristesse en pile monde apprendre la mort soudaine docteur Paul Farmer qui mourit pendant l'étape dormi. Mais ça yon zami li te dit, Paul c'était une source d'inspiration à civilité. Malgré humilité et simplicité li, Paul te wè bagay yo grand pou haïtien yo. C'est comme ça, il était derrière construction de l'hôpital universitaire mis en balai qui est la dame, 305 cabanes avec un pile équipement soins moderne, ça qui était grandement soulagé la population locale là après tremblement de terre 2010 là.
Homme de terrain, Dr. Paul Farmer, patrouille dans yon bon Dieu en pile organisation qui était trop bureaucratisée yo. Tant qu'au fondation Clinton qui gagne gros budget, mais résultat yo souterrain souvent jugé insuffisant. Malgré ça, Dr. Paul Farmer pas fermé aucune porte. Tout aide de bon pour lui. Pour le faire avancer dans le travail et puis améliorer la vie chaque jour haïtien yo. Départ Dr. Paul Farmer pral sans doute quitter un gros vide. Collaborateur yo, partenaire yo, mais tout famille yo pral continuer travail, li tap fè yo, nan aider malade yo qui pas capable payer bon gens qualité soin. Fondateur Zami la Santé a mouri dans la nuit dimanche pour rentrer dans lundi suite à un arrêt cardiaque. Information ça qui est confirmée par Dr. Ralph Tiernier, membre directeur organisation non gouvernementale. Selon Dr. Tiernier, c'est une grosse perte pour Haïti et pour le monde là. Premier ministre Dr. Ariel Henry, honoré mercredi 7 avril 2022, à titre posthume, fondateur Zami la Santé, Dr. Paul Farmer, pour service libay à peuple haïtien. Yon place d'honneur te remet à Madame Lee, veuve Didi Farmer, nan jour qui te marqué Journée mondiale la santé, qui célébré sous thème Notre planète, notre santé. Ça a témoigné reconnaissance non envers gros médecins ça, qui tap fait un travail charitable et qui a continué de bénéficier plusieurs milliers de compatriotes New York. Locataire prématuré a fait connaître, docteur a été un gros admirateur à Haïti, un bienfaiteur, un ami. Premier ministre docteur Ariel Henry dit il a une opportunité de travail avec philanthrope là. C'est comme si moi ouais il là. Pendant dernière rencontre, nous avons gagné avec toute une délégation dans une mission humanitaire. Chef gouvernement promet que travail docteur Paul Farmer yo pas passer par oubli. Chef l'État a demandé approche collaborateurs en la santé yo pour jouer pied à main dans l'idée pour porter au flambeau Paul Farmer. L'hôpital Mirbalais continue montrer à génération future là que l'impossible pour faire belle bagaille dans le pays. Les nous gain vision à détermination qu'il faut poursuit le premier ministre Dr. Ariel Henry. Premier ministre fait connaître tout, Dr. Paul Farmer, te gen gros projet pour Haïti. Moi, te gen possibilité de discuter avec lui pendant dernier passage li en Haïti. Dr. A, te vle construire une université tout près l'hôpital Mirbalais. Madame Dr. Paul Farmer, qui te prend la parole dans l'occasion, dit espérer que génération jodia à génération kapvinian a pas prendre exemple sous modèle philanthrope là qui était en Haïti. Co-fondateur de la fondation Zami la Santé, le docteur Paul Farmer est décédé le 21 février 2022 au Rwanda à l'âge de 63 ans. La nouvelle du décès du docteur Paul Farmer a attristé le monde entier pour ses multiples actions accomplies durant sa vie. Son organisation Zami la Santé entend continuer l'œuvre de l'illustre philanthrope. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout propriétaire business doit faire pour vendre produits et services qu'on offre. Qui tient un business qui fait que l'ouvrir, qui tient un business qui l'a depuis 10 d'antan ou doit faire publicité, Zami Pam. Promoteur qui a organisé bal, soirée de gala ou bien qu'importe qui événement public, promotion garantie sous Telemasters dans émission Caméra Culturelle. Pour faire publicité au passé, relais Jodia 954 729 2214 ou bien 786 661 2909. Prix abordable, full package avec interview promotionnelle et commerciale. Messieurs, dames, faites publicité pour business ou kamacha. Telemasters a annoncé l'ouverture prochaine d'un magasin dans Miami Gardens, Basla, Transfer et Barbershop. N'a besoin de tout produit naturel qui est bon pour nous capables de vivre en bonne santé. A bien transfer l'argent sous le pays d'Haïti. Également, a bien vente de films africains et haïtiens. Pour de plus amples informations,
prière de visiter le magasin au 824 Northwest 183e Street dans Miami Gardens. Téléphone 305-974-4443. Cause santé, collaboratrice nous Lorraine qui sont experts de la santé. Eh bien, Lorraine fait nous connaître que Lila pour aider nous puis bien vivre notre santé nous. Nan bon petit conseil, bon docteur pour parler avec nous. Eh bien, journée jeudi à Lorraine pour le faire nous suivre. Mesdames, yo, ça c'est pour nous. Lorraine pour te bon information pour nous barrer en haut, veiller en bas avec cancer matrice. Elle tombe dans l'utérus, il n'y a pas de bon chance. Mes amis, on suit Lorraine pour nous donner tout détail. Aswaya, qui ça mon côté pour nous là en cause de santé? Comme on dit, nous, le plus souvent, nous choisissons des questions, des sujets, basés sur les questions que nous voyons bon moins. Donc, Aswaya, nous allons parler nous, de uterine cancer, cancer qui fait dans l'utérus, nous-mêmes, mesdames. Ce sont des choses qui sont vraiment graves et le plus souvent, les silences. Donc, si nous pas vraiment suivre quoi nous et puis essayer voir qui symptôme qui gagne bien avant si nous le nous arriver chez docteur nous il est capable trop tard. On nous garder pour nous voir exactement qui ça qui risque facteur qui mon qui a risque pour gagner cancer dans l'utérus. Premièrement, le dit mon qui a un âge avancé. Depuis tout ça, cela veut dire que mon qui jeune nous pas vraiment à risque. Donc, on nous dans l'âge avancé, dans quarantaine, cinquantaine, ou à risque pour gagner cancer dans l'utérus. Moun qui gros, obèse, moun qui obèse, moun yo qui pas même ka marcher tellement yo gros, et puis vent yo gros, et puis yo le chita, pas même ka lever moun sa yo, yo vraiment à risque. Ok? Moun qui gagne, te gagne menstrual cycle, moun qui te gagne période yo vraiment early, yo di moun qui te gagne règle avant 12 ans, moun sa yo se pou nou suiv kon nou ni nou menm tout ki gen ti moun ki te komanse gen peryode yo avan 12 ans donc suiv moun sa yo an pil paske yo di yo vraiment at risk. Ou lòt moun ki anko group moun ki at risk moun ki gen sa yo rele HPV nou konnen HPV son virus le plus souvent yo pran li nan sexual transmitted disease moun ki bon prend maladie sexuelle yo OK donc moun ki gen HPV virus yo moun sa vraiment yo at risk pou yo gen cancer nan utérus yo. L'autre groupe moun encore ki gen ki at risk pou yo gen cancer nan utérus yo yo di que c'est moun ki fait ménopause à partir après 50 ans. Donc tout groupe moun sa yo cité bon nou la yo nou at risk si nou gen fami nou ou bien yon nan nou ki gen tout risk factor sa yo, donc prend précaution, suiv kon nou en pile. OK, yo di que moun ki manje yon high fat diet, moun ki manje en pile, manje graisseuse, moun ki manje ki gen en pile fat yo, donc nou risque pou nou genyen uterus cancer. OK? D'accord. Comme tout konnen et m konnen en pile nan nou nan YouTube, nou étudie, nou lire, nou wè que cancer sa son cancer nan utérus nan ki tue en pile moun. Yo di c'est 4e leading cause of death in United States. Donc cela veut dire que c'est pas on jouette mes amis. Donc c'est pour nous vraiment payer attention avec quoi nous parce que bral vin parler nous donc c'est de symptômes. Là nous commencer sentir yo, suivre quoi nous aller ka docteur, pas négliger sous ça. Donc c'est on nous connaît qui number one depuis le ka docteur que ou te gagné ménopause qu'on pour faire ménopause ou rete pendant que ou gen période aussi période qu'on vient chaque le 15 ou fin gen le 15 et puis le 30 encore li paraît encore c'est ça relé vaginal bleeding in between your period your menstrual cycle. OK, de pou ka gen sa yo ou 2-3 fois suivre en pile et puis en relé docteur fon appointment parce que li pa normal. Pour moun ki fait ménopause yo depuis quelques années ou rete comme ça ou rete un jour garde ouais sans commencer à tourner sous et comme si ou commencer gen règle ou encore donc ça sont signes qui vraiment
en fragile son signe pour vraiment prêter attention. Après, il y a des gens qui font ménopause après 50 ans, 60 ans. Donc, soudainement, on retourne sans venir sous et comme sous aucun règle. Et même s'il n'est pas venu comme une règle, il est capable de venir comme ça, il est sparring. Côté que vous êtes, le matin, on retourne 2-3 gouttes de sang dans la culotte. Donc, c'est pour vraiment prêter attention à ça. Les docteurs nous pour nous faire une visite parce que bon bagage qui pas normal là, ok. Donc tout ça là, moi dis nous ça, c'est parce que nous pas arrivé dans phase côté que l'est trop tard là. L'autre si encore côté que nous voulons ouais que bon bagage qui pas bon qui va marcher dans corps nous, c'est pelvic area côté que non entre jambes nous et en bâti ventre nous, nous avons douleur vraiment qui pas passer. Ou du moins, li passé après une semaine, li recommencé encore. Li vini tan kon prèche ka pesé nan utérus nou. Donc, ça son signe, mes amis, pour nous aller visiter docteur nou, bien rele, di nou, mais ça nous senti. Donc, l'autre signe encore, côté en pile nan nou, gonna pas penser ça, c'est le que ou allez à la, nan toilette, ou al pipi, ou est que vous avez difficulté pour pipi. Il y a un blé commencé, il n'y a pas de commencer, il commence ou bien rété, ou est comme si son douleur liée. Donc, son signe vraiment pour pas garder sur ça, pas négliger, le docteur nous aller. En pile de nous, nous avons dit que nous avons, pendant que nous avons fait sexe, nous, des fois, nous avons des douleurs. Des fois, nous pensons, sûrement, c'est nous tout dry, ou sûrement, nous pensons, c'est pas bah, pas bon. Donc, c'est pas ça. Des fois, tout c'est pas ça. Je ne vais pas dire que c'est pas ça lié, non, mais des fois, tout c'est pour nous payer attention. Parce que son bail qui n'est pas normal, parce que toi, tu as supposé douloureux. Donc, son bail qui est douce. Donc, de nous, nous tellement bon douleur, nous pas à supporter encore. Côté que nous obligés de lever dans la cabane, nous courir aller. Donc, son bail qui n'est pas normal. Donc, c'est pour nous relayer docteur. Abnormal menstrual cycle. Qui s'allie dans le moment, nous, c'est que période nous, ça y est, les règles, hein, n'est pas normal. Nous allons arrêter comme ça, d'un coup, il est tellement venu fort, côté que nous allons passer 4 à 5 côtés, dans une journée, même plus que ça, même presque 10 à 12 même, parce que des gens qui conduisent l'hôpital, nous disons comme ça, dans une seule journée, nous passons 15 serviettes. Donc ça, c'est les vraiment abnormal. Des fois, tout, il y a des gens qui gagnent, côté que en vivant avec un pire clot, côté que vous pas connaître ça, et vous pouvez penser que vous avez dit, oh, son colère que me fait, qui fait que sans venir avec clot. Mais ça arrive, si ça arrive une seule fois, c'est pas un problème. Mais si chaque mois, ouais, ça continue à arriver, donc c'est ça qui fait que nous disons, cet homme, ça, il faut que nous ne pas négliger sur lui, continuer. Ensuite, tout. Nous connaissons avec nous chaque premier, nous, elle paraît premier, elle paraît 15, elle paraît 30. C'est ça, elle est infrequent menstrual cycle. Parce que elle est venue 3 ou 4 fois dans un mois. Ok? Vaginal discharge. Vaginal discharge, dans son bail qui est normal. Nous, nous sommes filles, ou capable de vaginal discharge, parce que c'est comme ça qu'on nous y est, elle est normale. Elle est claire, elle est sticky, elle n'a pas d'odeur. Mais le plus souvent, le lit abnormal, le pas normal, c'est le ça, nous, ouais, que lit thick, côté que lit heavy, lit vraiment fort, côté que lit gagne même gain des odeurs, et puis lit même gagne des couleurs qui changent, lit gagne vert, lit gagne jaune, lit gagne rouge. Donc, depuis nous, ouais, ça, même si c'est une seule fois, nous, on va pas qu'on s'arrive, nous, allez, quand docteur nous, allez, côté gynécologue nous, pour faire un test pour nous, pour voir ça qui a passé là, parce que nous, pas à supposer comme ça. L'autre signe encore, il dit que si toutefois qu'on a tout ça nous là, ou bien 2 ou 3 là dans yo, et puis il est accompagné de un weight loss, ça veut dire que on a perdu poids et vous pas même connait vraiment qui cause quoi. On dit par exemple, on a mangé normalement ou continue à manger toutes sortes qu'on a habitué manger yo, et puis d'un coup rete ou est tant ou a perdu poids sans pas même faire diet. Ou rete de 150 ou à 110, 120, 120, 110, 90, moun a commencé, ça a été tant que moun qui a anorexique, et puis l'a desséché. Moun sa yo, le plus souvent, yo moun a pensé ces problèmes qui fait yo ça,
sans pour autant ou pas connaître si c'est pas un cancer qui a développé dans corps. Donc c'est ça qui fait que causer santé son show de prévention en health education côté que nous pas carrément nous arriver dans moment côté que c'est le nous arriver qu'un docteur voit une affaire de tests et puis il dit non quoi. Il est déjà trop tard. Nous pas carrément mais ça c'est peut-être ça causer santé continuer à aider nous pour nous gain éducation ça parce que nous connaît que knowledge is power. OK. N'a campé n'a donc ça m'ta vle di nous t'a rien mais clarifier ça pour nous parce que vaginal discharge m'ta dit nous hein c'est pour vaginal discharge qui infectieuse côté que si on monde va faire sexe avec un partenaire et que on balil non c'est parce que nous bon bail qui pas normal qu'a développé dans corps nous peut-être dans son cancer et puis qui fait que discharge ça bien paraît comme ça donc c'est pas on discharge côté que il est capable transmettre d'un partenaire en l'autre. Donc le plus souvent on nous toujours tourné causer santé toujours encourager nous pour nous protéger tête nous le n'a fait sexe surtout si c'est pas avec mari nous ou bien avec un monde que nous croit là dans que nous vraiment connaît que monde ça c'est avec seulement la fait sexe protéger tête nous parce que la vie en parlant de tout ça. OK? Donc en bloating des fois nous on dit que nous manger depuis à 7h du matin, on a travail, nous pour un breakfast, nous senti que l'estomac nous gros, nous senti nous chargé, côté que nous pas même senti nous qu'à manger prochain manger que nous à manger parce que nous tellement senti que votre nous plein, nous senti nous ballonné. C'est ça fait que dit que des fois pas toujours penser que c'est peut-être indigestion. Si nous ouais ça continuer à priver nous assez souvent. Pas garder sous ça, mes amis, relé docteur nous pour appointment pour nous ça qui passer en dans nous. Donc l'autre si encore dit que peut-être grand droit c'est ça qu'associé avec mais en même temps tout nous tout connaît que le plus souvent nous tout toujours fatigué. Il dit fatigue côté qu'on senti membre yo lâche côté on sent ou délalage pour nous dire en bon créole là. Donc nous pas même garder sur ça même parce que nous on a pensé c'est travail c'est activité dans carrière avec petit monde mari travail que nous a fait nous ça bon si nous voyons que deux trois symptômes que nous t'ai gagné avant nous ça nous dit nous et puis nous on fatigue tout mais que nous prend repos que nous bien manger nous bien boire nous continuer à fatiguer comme ça les docteurs nous prend une consultation un rendez-vous avec nous pour nous voir ça qui a passé dans nous. Donc mes amis, c'est ça moi te vinn pote ban nou. Donc moi parler nous mais qui cause, moi dit nous qui genre de signe. Donc le, si toutefois que yo ta vinn fait diagnostic nous, yo wè que nous ta gagné cancer. Donc qui test yo dit que au café pour peut-être qui capable vraiment ba un signe, peut-être ta confirmer que c'est ça qu'a fait. Bon dans la test avec un test côté que prend son les laisser à 125 AC. OK m'a écrit non là pour nous son test côté que je dois suspecte que ou bien un cancer non ou donc pas exactement dit qui côté lié non bon révéler que bon cancer qu'a développé dans nous-mêmes donc on a fait un CT scan pour ils font MRI ils font ultrasound et puis jusqu'à ce que on a même arrivé font biopsie ça y est endometrial biopsie côté puis on regarde puis exactement qui niveau cancer là qui degré tout ça là donc monde qui connait a dit que chaque année on va faire pap smear. Pap smear pas révélé uterine cancer. Là, ça, si nous pas comme ça, nous connais chaque année nous toujours fait nous toujours fait pap smear nous. Bon, pap smear là vraiment pas révélé si nous gagnons uterine cancer. Par contre, pap smear là dévoilé si nous gagnons cervical cancer. C'est deux bagages différents. Donc, dans le prochain show nous parvenons à développer plus pour nous faire différence qui est entre cervical cancer avec uterine cancer, ok? Donc on a fermé là parce que nous parvenons à dire nous plus pour qui raison parce que show jeudi prochain on a venu avec un médecin qui a venu développer plus un sujet ça pour nous. Donc comme nous tapons des moyens, moi venu avec pour nous. Donc à jeudi prochain. Donc, nous connaissons tous là, nous peut-être nous dit bon, si toutefois que
God forbid, nous avons un cancer dans l'utérus. Qui ça qui peut passer? Comment vous traitez nous? Donc, comment vous traitez nous? Nous connaissons la chimiothérapie, la radiation thérapie, nous avons un hormone traitement, que ça est la hormone thérapie, nous sommes capables de nous. Problème non? C'est pas problème non? Ça que nous, même dans la cause de santé, nous avons aimé, nous avons aimé que nous éduquions tête nous pour nous jouer ou les symptômes ça yo qui ca prévenir nous pour nous arriver dans cancer utérus. Donc comprenez nous suivre quoi nous relé docteur nous pas négliger. Une fois encore, c'était Lorraine de Causer Santé. À la prochaine, m'attend nous toutes là jeudi prochain à 9h. Alors bye. Bienvenue dans l'ambiance, côté que nous faisons danser ensemble. Je ne jodi à nous présenter un orchestre qui est très jeune dans le business. Là. Mais il fait moun danser en pile. Il bay bon compas, le maté bon compas. Eh bien, à nous danser ensemble avec New Baz. À danser, ambiance. Allo chérie, c'est moi encore. Mais rien vous m'aide.
of my dreams. C'est ça que l'on a dit. Monsieur Léna, allons-nous vers la 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 la
Télémasters a annoncé l'ouverture prochaine d'un magasin dans Miami Gardens, Basla, Transfer et Barbershop. Nous avons tout produit naturel qui est bon pour nous capables vivre en bonne santé. A bien transfert l'argent sous pays d'Haïti. Également, a bien vente de films africains et haïtiens. Pour de plus amples informations, prière de visiter le magasin au 824 Northwest 183e Street dans Miami Gardens. Téléphone 305 974 44 43. Nous arrivons là, amis téléspectateurs. Émission nous finit, nous arrivons dans le bout de nous. Eh bien, nous avons cassé rendez-vous samedi prochain pour une plus belle émission. Même côté à Télémasters, caméra culturelle avec Carmel. Nous avons samedi prochain. Malé. Ropi Production Television Network, main en main avec Télémasters, invite Vinchita Gade chaque samedi 8h du soir et chaque lundi 7h du soir l'émission Caméra Culturelle. Caméra Culturelle pour tes informations sur Atissio et tout ce qui a passé dans la culture haïtienne. Ou abjoint tout panorama social avec Cody Love, Depi Haïti pour l'actualité sociale. Dans Caméra Culturelle avec Carmel, bonjour information sur la santé avec Lorraine, dans Causé Santé. Et pas oublier, ambiance qui flash et performance Diazio avec Atissio. Caméra Culturelle, viens joindre nous chaque samedi 8h du soir, chaque lundi 7h du soir sur Télémasters, Channel 18.8 et en système. Recours. Pour faire publicité business ou dans caméra culturelle, relais 786 661 2909 ou bien 954 729 2214. Caméra culturelle avec Carmel, le meilleur rendez-vous avec la culture haïtienne.